Bonjour à tous et à toutes, c'est Genotype. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Alien vs Predator. Donc je me suis acheté il y a longtemps, d'habitude on dit pas longtemps mais il y a longtemps quand même, sur Steam. Donc la particularité de ce jeu c'est qu'on peut jouer aux trois campagnes, humain, Alien et Predator. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas la saga Alien vs Predator, c'est... Ça reprend le quelques éléments, enfin cet élément là du film Alien vs Predator 1. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est une équipe sur un bateau, sur un pétrolier si je me souviens bien, pour aller visiter un truc perdu sous... Enfin une source d'énergie sous la glace de l'Antarctique ou je ne sais pas quoi. Et là c'est une histoire un tout petit peu différente, mais c'est au même endroit. Ah mais non, c'est pas du tout le même endroit en fait. Oubliez tout ce que j'ai dit. Donc je joue en direct X11 Ultra. Voilà, là il y a une puissance démoniaque qui l'a transpercé. Donc on va voir que les cinématiques de ce jeu sont vraiment très 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 bien faites. Dans tous les domaines, graphiquement ou pas. Ah, premier chargement, voilà. Des mondes meilleurs. Regardez, écoutez. Et écoute ton détecteur de mouvement, la flèche se déplaçant. Ah, ça se... Ah, j'ai pas eu le temps, dommage. Alors... Allez-y bien en douceur. Toujours rien à la surface ? Négatif. Apparemment, nous n'aurons pas à engager le combat. Bien reçu, Marlowe. Nous sommes... Mais quoi ? Voilà, donc un vaisseau Predator. Il est nulle part. Marlowe, vous me recevez ? Bam. Donc comme dans chaque début de jeu, on s'appelle le bleu. Donc en gros on est le noob, mais c'est quand même nous qui finissons le jeu. Et qu'on se fait le boss de fin. Voilà. Et comme d'hab, on va morfler. Là, est-ce qu'on peut bouger sa tête, non? Bam sur la droite. Tequila, relève le gamin, il est dans le jus. Le bleu, tu m'entends? Allez, soldat, on se relève. Voilà, donc il y a plusieurs campagnes ainsi qu'un mode multijoueur. Le plus nul c'est les humains, quoique je fais quand même assez bien le frag ainsi que d'autres personnes, mais le prédateur peut se rendre invisible, c'est sauter super haut, l'alien sait voir à travers les murs ainsi que nous manger directement si je me souviens bien, enfin nous prendre directement. Ainsi qu'il soit silencieux. Je vois quelque chose. Donc dans le solo, pour l'humain, on commence là où on est, donc dans une usine, dans une carrière. Pour l'alien, donc c'est le petit monstre rampant, c'est, il commence dans un laboratoire. Pour la campagne, pour eux c'est une autre planète. Et les prédateurs, ils commencent dans la jungle. Et on s'amuse à chasser, puisque c'est pour ça qu'on est venu. Donc on est en pleine guerre, enfin on est en pleine guerre, on est en plein combat et on se réveille sur un fauteuil. Ah, il y a un truc de soin là. T'as pris un sale coup à la tête pendant le parachutage. Prends un stimulant. Voilà. Mon équipe est partie à la hâte. Ils ont été obligés. Donc pour la lumière, c'est quand même assez bien fait sur le pistolet. Voilà. Le courant est coupé dans toute la colonie. Utilise ta lampe torche. Ah ouais, c'est tout petit ça. Hein. Ah mais c'est quoi ça? Pour plus de lumière, utilise un tube incandescent.
Oh non. Ok Marine, tu dois dégager de là. Passe par la cave pour je suppose que c'est par là vu qu'il y a des flèches en plus que ça va dégager. Ah mais en plus sur la carte ils me disent d'aller par là. Est-ce qu'on peut... On peut pas tirer encore. Ah. Ah donc sauvegarde enfoncé, ça va, ça reste comme ça. Ouais, c'est bon ça. Tir alternatif. Ah ok. Ah c'est venu sur l'infini donc c'est bon. Le major Van Zandt a des problèmes au niveau de la raffinerie. Pardon, parce que je suis malade en fait. Je suis pas habitué avec mon nouveau micro à changer avec la touche mute. Wow. Ah, y'a un truc là. Prendre. Y'a méchant juste là. Ah. Un mort. Je peux pas m'accroupir. Dommage. Temps mission. Ah, y'a temps pour finir sa mission en plus. Bon, je vais me dépêcher. Un foyer pas vraiment accueillant lorsque la compagnie l'a d'abord occupé. Mais chez Welland Yutani, notre vision est à long terme. Nous modelons de nouveaux mondes pour. Et quoi là? Ah, c'était rien en fait. Tu. Par contre, pour se déplacer de côté en courant, c'est un peu mal fait, je trouve. C'est quoi ça? C'est un allié ou quelque chose là? Ah, tiens, une porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça sent la fight. Ah bah non. En tout cas pas ici. Réponds, le bleu. Putain, c'est quoi, ils sont... Ils sont en train exprès pour nous surprendre là. Quoi ça? Ok. Attends un petit peu, puis réactive là. Ouais, ça s'est fermé ça. 5. Merde, il y a un truc qui s'approche là. 3, 2, 1. Tire de nouveau sur le levier pour relancer le système. Oh putain, c'est passé quoi là? Wow, j'en ai plein sur le radar. Au secours! Voilà. J'ai plus le temps. J'arrive plus. Dépêche. Oh, mauvaise idée. Attends, je peux encore utiliser mes capteurs atmosphériques. Déviation de la pression vers les tuyaux hors de la pièce. Ah ouais, quand même. Ah tiens, je me t'en... Ah. Pile là où je suis. Je sais pas s'il faut que si je peux le tuer avec mon petit flingue, mais... Je vais essayer... Ah bah il est déjà assez foiré. Ouf. Il y a de l'acide et des spasmes. Il nous faut une danse indienne. Eh hey. Il vient de se... Dommage. Allons par là. J'ai vu une queue. Je pense pas que c'était... Non. Moi qui font mal. Ah bah tiens.
Fasse quoi là? Fasse rien. Wow! Bugué celui-là. Loupé. Prends ça. Personne d'autre qui la veut là? Ça tire plus. Ah. Franco? Franco? Putain! Putain! C'est à toi de jouer le bleu. Va au site administratif et que ça sorte. Tirer avec des armes. Un rafale ou je sais pas quoi. Non, pas un rafale, un automatique. Je veux bien une, moi. Je détecte des mouvements devant toi. Pas allié. Juste là. Ah, il y a de tous les côtés. Pas quoi ici. En tout cas, pas que je voie. La plaque se rapproche. Je suis coincé dans la pièce suivante. Mais il y a un générateur. C'est ce truc là, je suppose. Il faut des nodules d'alimentation pour le générateur. On a là, là, un. Ah, pas mal la cinématique. Voilà. Bien joué, le bleu. On est quitte, t'as rien fait. Ça va la tête ? Allez, viens. Et prendons une arme. Ah, bah enfin ! Qu'est-ce qu'ils faisaient ici, les gars de Wayland Mutiny ? Ça grouille de xénomorphes dans ce rocher. Et ces bestioles font pas crapiquer sans prévenir. Et je ne veux même pas parler de ces cibles hostiles qui ont surgi de nulle part et qui ont détruit le Marlow. Bon, au fait, je crois que je peux contrôler les systèmes de la colonie à partir d'ici. Parfait! Il y a de nouveau du jus! Hein? Ici Connor, mon équipe se situe au club. L'énergie, la lumière et la ventilation relâchent. En fait, il nous faut plus que des bouteilles de bière pour fêter ça. Ah bah voilà le menu. Je pense qu'elle parle de moi là. Mais il s'est buté, les xénomorphes. Va en renfort au club. Ils ont besoin d'aide. Moi, je reste ici pour remettre en marche les tourelles en hauteur. Explose-leur la gueule, d'accord? Ah. Bon, on va essayer par là. Ah bah voilà, c'est d'éviter la baffe toxique ou je sais pas quoi. Alors, j'ai un petit problème. Ah, il est bien sûr par là. Ils ont besoin de toi, Oakland. Ouais, mais moi j'ai besoin de munitions. Qui bug maintenant, c'est bizarre. Ah. C'est par où? L'ascenseur n'est pas super fluide. J'ai perdu leur signal. Connor, tu me reçois? Le bleu approche de ton secteur. Hé, hey, le bleu, la musique s'est éteinte. Ils doivent être tout prêts. Sécurise l'étage suivant. Ah, c'est quoi ça? Ils ont mis un level, mais on sait même pas voir le level. Ça va arrêter de le mettre alors. J'ai vu un truc là. Ah. Quelle grenade. Ici le soldat
On y est presque. Attends. Hein? Ah, encore une fois, c'est toujours moi qui dois tout dégommer. Ah non, ça dure que quelques secondes en fait. J'en vois quelques-uns là. Ah, ça survit. Wow. Plus que 60 balles. Puisqu'il y en a qui me sautent de tous les côtés là. Ah non, vous êtes sérieux? Il reste encore un, je pense. Ah, c'est par là qu'ils sont venus en fait. D'accord. Ah ouais, quand même. Ils viennent de partout en fait. Ah, enfin quelque chose qui me plaît. J'ai entendu dire que la fête avait pas mal dégénéré là-bas. Heureux de voir que tu t'en es sorti vivant. Toi, tu me plais bien. On est tombé sur quoi ça? Sur le bloc, le C bloc. Je dois faire quoi? J'ai monté moi? Ouais, sur mon radar. Tu survivras. Viens avec moi, le bleu. Se passe quoi là? Je le sens pas. Ah. Je capte des signaux. On se bouge. J'ai plus d'armes moi quand je fais. Truc là. Ouais, 18 de. Ah, 67, c'est bon. Ça me dérange moins. Ah, ça, je le sens mal. On va commencer avec ça. De descendre. La tourelle 1 est butée. Trouve l'ordinateur de contrôle. Remets-le en marche. Wow, wow, wow. Oh putain. J'attends
Oh non, pas qu'un bot. Sans mal. Bon, la tourelle au moins elle nous protège. Mais pourquoi elle descend elle? On a une tourelle. Juste là au-dessus et. Mais j'espère. Je vois pas. Ah, merci. Bah, il est tombé. Ah non, mais elle est sérieuse là, je suis en train de tirer pendant 2 heures, mais elle le remarque pas. Et encore, elle meurt pour la bête là. De la bête assise. What the fuck? Mais où va le monde? Pas possible ça. Et je vais tout seul là? Mettez directement moi le boss du jeu, c'est bon. On peut faire des trucs comme ça. Un très xénophore, xénomorphe, je sais pas quoi. A fallu 3 kills et ça a été. Parce quoi là? Ah, vous êtes sérieux? Je le savais. Ah, sur nos gaz. Ah bah non, c'est une sourelle ça. Je me casse. Allez, bon, je reste pas là. Hein. C'est une belle arme, elle. C'est lequel? C'est lequel? Non, 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 bon, je me casse. Ah bah c'est bon. Ça a été finalement. Repuis-toi vers le transporteur. C'est quoi ça, le transporteur? Je crois que c'est une transporte. Putain, moi j'ai pas envie de ça. On se casse vite fait. Ah, non, 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 tant pis. Allez, je me bats. Je prends vite fait ces trucs. Moi, je me casse un peu. Non, 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 non. Ah, c'est hors de question. Par où? Non, je sais, je t'ai vu, mais non. Non, non, non! Ah non, bordel, non, non! Ah ouais, c'est sur moi! Voilà, donc. Sur ce, on se quitte, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, j'espère que vous avez aimé, que vous allez la partager. Je compte faire une vidéo sur mon storyline appelé Day One, que vous pourrez aller voir sur la
sur la playlist Day One. Donc je mettrai une nouvelle vidéo dessus et voilà. Donc à bientôt.